Si vous êtes motivé pour gagner là aujourd'hui, maman là. Oui. Oui, je vous entends pas là. Hein? Hey. C'est bon? On gagne aujourd'hui, hein? Oui. Allez. Allez. Daris, venez autour de moi. Voilà, on fait ça bien avant tout. Allez. Et tu tires fort, voilà, c'est très bien, là t'as tout compris. Si tu fais tout ça pendant le match, on pourra que les gagner. Et tes buts, ouais. Je compte sur toi. Ouais. Et ça, la balle, tu as le droit d'avoir dans la zone derrière le but, d'accord. Donc, comment vous devez vous dire, si vous êtes les défenseurs, vous devez vous placer où? Vous vous rappelez? Vas-y, Mathis. C'est des passes, d'accord. Voilà, sur les côtés, vers la touche. Ici, d'accord. Vous vous déplacez sur le côté. Vous allez chercher la ligne de touche pour vous écarter. Les deux attaquants vont bouger, vous vous déplacez. Mais alors, ça ne sert à rien d'aller trop loin parce qu'il n'y aura pas la force de vous l'envoyer à l'autre bout du terrain. D'accord. Donc, vous restez vers le milieu de terrain et vous bougez pour vous démarquer. Vous, les deux défenseurs, vous vous écartez vers la ligne de touche. Sur cette ligne. Mais les défenseurs. D'accord. Quand on a la balle, dit qui Otman, quand vous la récupérez, vous montez. Vous ne dépassez pas le milieu de terrain. D'accord. Parce qu'après, vous allez avoir du mal. Sur les épaules. Vous allez avoir du mal à prendre. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Le garçon. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Voilà. Et bien on va laisser chauffer. Vous êtes prêts? Vous êtes motivés là? Je vous entends là. Allez. Oui. Vous allez plus fort. Oui. C'est Mormon. C'est Mormon. C'est qui les plus forts? C'est Mormon. Allez, ça passe. Mets-toi au milieu de tes quatre. Voilà. Là tu mets ton genou en premier. Mets tes mains, d'accord? Ah moi j'ai marqué. Serre la main, bien joué, bon match. Les enfants. Allez, on se tape la main. Voilà, bon match, coach. Merci. Bon match. On se place sur le terrain, les garçons. Seul sur le ballon, vous vous dépêchez, allez. Chacun son joueur. Oh, ça Donc au premier match, Kelvin s'est retrouvé deux fois tout seul devant le but de la passe. Là tout à l'heure, Mathis, il est venu. D'accord. Déjà un, parce que vous faites beaucoup.
sert à rien. Petit cœur, là, il a commencé à en troisième match. Donc fais des passes, joue avec tes copains, d'accord? T'es fatigué là? Et ben là tu vas être remplaçant, d'accord? Tu vas commencer. Et on verra les gardiens après. Tout le monde va être gardien là. C'est que mon cœur, moi. D'accord, on va. Là, tu montes tout. Tout le monde va passer gardien, d'accord? Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. D'accord? C'est qui Pierre? Là, le prochain, c'est Calvin. Oh non, moi, il a déjà été le. Ouais, c'est pas grave. Donc là, c'était les passes, c'était parfait. C'est exactement ce que je voulais voir. D'accord? Les attaquants parfaits. D'accord? Juste la défense, les gars. Pensez à pas laisser. Je parle, Mathis. Ne pas laisser les attaquants des adversaires derrière vous, d'accord? Tout seul. D'accord? Deux, trois fois, ça s'est passé, c'était limite. Hein. Heureusement qu'on n'a pas pris de but. D'accord? Donc pensez bien les défenseurs à regarder dans votre dos. D'accord? Oui, parce que là, on joue avec. Allez, qui c'est les plus forts? C'est nous! Qui c'est qui va gagner? Nous! Allez, voilà. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Bon, bah, c'est super. Attendez, on a encore un. Plus fort. Derrière! Cherche pas à marquer, je veux que tu joues au ballon! C'est plus petit. On monte les attaquants! Lève-toi! Lève-toi! Allez, on se replace par moi. Enfin, le niveau, quoi, je veux dire. C'est, on peut pas attendre des enfants qui marquent des buts et... C'est ça, ouais. Ah ouais, les parents, ils pensent qu'ils jouent déjà en Ligue 1, alors qu'on est à Bordeaux. D'accord, donc c'est plus de l'initiation, en fait. C'est ça, voilà. D'accord, j'ai vu, il y a beaucoup d'enfants qui... Bah, il faut être tout près d'eux, parce que j'ai vu qu'il y a des enfants qui pleuraient, parce qu'ils se faisaient mal. Voilà, il y en a qui sont perdus sans leurs parents, justement. Et justement, c'est les enfants qu'il faut rassurer dès le début. Les mettre en confiance et après normalement. Explique-moi un petit peu ce qui t'a fait venir là, est-ce que t'es un parent d'enfant? Je suis le papa de Lucas, qui a eu 6 ou 7. Et en fait, le contact avec les petits, tout ça, ça m'a plu. Et en fait, voilà, donc ça me va parfaitement. Tu fais partie des parents qui venaient tout le temps voir le. D'accord. Ouais. Donc t'as fait les déplacements pas beaucoup, parce que pour l'instant je suis nouveau. Il n'y a que cette année qui commence vraiment la saison. Mais sinon, en fin de saison, oui, j'ai accompagné. Sur un plateau. D'accord. Est-ce qu'on t'a proposé de venir au club ou c'est toi qui t'es proposé? Non, c'est moi qui s'est proposé à venir vers le club, vers le FM Rouen.
D'accord, donc tu as envie d'apprendre aux jeunes l'initiation. Voilà. Est-ce que tu penses avoir la patience qu'il faut pour le faire? Je pense, oui. Oui, qu'est-ce qu'il faut comme qualité à ton avis, à part la patience, parce que ça j'ai bien compris. La patience, je pense que c'est le maître mot, la patience, faut prendre le temps de leur expliquer, et puis après, si ça rentre, ça rentre, si ça rentre pas, on continue de leur apprendre. D'accord. Donc bonjour Greg. Bonjour Sébastien. Est-ce que tu peux présenter pour Vie ma vie au FC Mormant, s'il te plaît? Donc c'est Greg, l'éducateur des U6-U7, et depuis 2 ans au FC Mormant en tant que dirigeant éducateur en formation. D'accord. Donc, sur la catégorie des U6-U7. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette catégorie au départ? En fait, j'y suis arrivé tout doucement par le biais de mon fils aîné, Nolan, maintenant en U10-U11. Au début, je l'accompagnais en tant que dirigeant pour aider les éducateurs sur le moment. Et puis, quand la nouvelle direction du FC Mormant a décidé de repartir sur de nouvelles bases, ils m'ont proposé de venir avec eux. Et puis, j'ai dit bon, voilà. Et tu as dit oui parce que tu voulais t'occuper d'une catégorie? C'est vraiment la catégorie que tu voulais faire, en fait? Non, c'est le hasard? Catégorie... Non, puisque j'étais déjà plus ou moins dedans. Et en même temps, c'est une catégorie... qui était la base, puisque pour débuter dans ma formation d'éducateur, il fallait commencer par les catégories des débutants, donc c'était bienvenu. Il y avait en plus un besoin, tout s'est réuni pour que ça se fasse. D'accord, donc l'initiation football, comme l'a dit Thomas, en fait c'est ça, surtout l'initiation. Oui, on est plus sur l'initiation, sur l'apprentissage du collectif, jouer ensemble, être ensemble, l'apprentissage des règles, jouer, prendre du plaisir. Donc on a quand même une philosophie de jeu à Mormont qui est le beau jeu, de jouer avec des passes plutôt que la victoire. Donc c'est en plus aujourd'hui, nous fait vraiment plaisir, on a eu du beau jeu, des belles passes au-delà de la victoire. Du collectif. Ouais, du collectif avant tout, jouer, prendre du plaisir. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les qualités d'un bon éducateur pour cet âge-là, s'il te plaît, si tu sais? C'est de la patience. De la patience. De la patience, c'est pas facile parce que... pas tous les jours au quotidien avec une dizaine d'enfants, une quinzaine d'enfants. Enfin, certains éducateurs, de par leur métier, sont plus à l'aise avec moi. C'est beaucoup de patience, leur expliquer, les faire participer. Voilà, c'est ça, c'est jouer avec eux. D'accord. Et à cet âge-là, ils ne font que des plateaux, en fait. Ils ne font que des plateaux, tout à fait. J'ai vu qu'il y avait... Il y a un plateau avec des jeux éducatifs, une formule plateau et une formule festifoot, qui était comme aujourd'hui, qui ressemble plus à un petit tournoi avec des montées et des descentes. D'accord. Qui leur donne un petit peu plus d'envie de gagner que les plateaux. Mais bon, c'est... Je demandais tout à l'heure à Thomas par rapport aux parents sur le bord du terrain. Il disait oui, ça. Un peu en Ligue 1, mais bon, je veux dire, par rapport à l'âge, il n'y a pas trop de débordements parfois, des parents qui s'excitent un peu. C'est pas toujours facile. Donc, à Mormont, on a des parents assez c'est bien canalisés, sur là, qui. Encourage. Bon, effectivement, dans certains plateaux, on peut arriver à avoir le sentiment de jouer la Coupe du Monde. Ouais, voilà, avec des enfants de 6 ans, donc voilà, il faut relativiser. Même certains éducateurs, on peut rencontrer, ont l'impression de jouer le championnat de Ligue 1. Ouais, surtout c'est dommage. C'est dommage, ils sont surtout là avant tout plus pour s'amuser que l'autre. Donc là, vous préparez l'avenir des jeunes pour les catégories futures, en fait. On prépare l'avenir pour les autres catégories sur de bonnes bases techniques. D'accord. Avec nous l'année prochaine, toujours? On commence juste l'année, mais bon. On commence juste l'année, l'année maison, mais effectivement, oui, il n'y a aucune raison que je ne sois pas là l'année prochaine. Eh bien, écoute, on sera sûrement amené à se revoir. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Juste remercier tous ceux qui nous ont aidés à mettre le plateau ce matin. Je ne vais pas tous les citer, on était nombreux. Et je remercie tous les bénévoles d'avoir participé à la mise en place du plateau qui était très bien réussi par Mormont, comme d'habitude. Eh bien écoute, tant mieux, et je vois qu'il y a une très bonne ambiance dans le club de Mormont. Exactement. Et donc on sera amené à se revoir prochainement. Merci à toi Greg, à bientôt.